Alors, je m'appelle Cécile Gallien, je suis maire de Voreux-sur-Arzon, c'est une commune de Haute-Loire et je suis très attachée à ce beau département qui est dans le Massif central, qui est situé entre le Puy-de-Dôme et l'Ardèche. J'y suis maire depuis 2008. Je suis aussi vice-présidente de l'Association des maires de France en charge de la commission des communes et territoires ruraux. J'ai été également conseillère départementale de la Haute-Loire. Et je suis saxophoniste dans la banda de Voré depuis que je suis en âge de jouer du saxophone ou de la musique, c'est-à-dire l'âge de 6 ans. J'ai commencé à faire des études d'économie, en fait, à la faculté de Saint-Étienne. Et puis j'ai eu un DESS d'aménagement du territoire et ça a été ma passion et c'est toujours ma passion. La politique me plaît parce que déjà, au niveau familial, on écoutait beaucoup la télé, les échanges des uns des autres. Je suis centriste, on va dire, de naissance. J'ai monté une liste en 2008, même si ce n'était pas une obligation, une liste paritaire, autant de femmes que d'hommes, avec des compétences très diverses, des âges différents, des responsabilités différentes, des loisirs différents. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu, au cours de notre premier mandat, trouver des médecins, créer une maison de santé. Alors, être maire, c'est presque habiter avec les habitants, c'est-à-dire on est au cœur de leurs moments de bonheur, par exemple des mariages, mais aussi leurs moments de difficulté, ou quand un jeune essaye de trouver un stage, ou on a aussi la chance d'avoir des porteurs de projets qui veulent venir s'installer dans nos communes. Je pense qu'en fait, être maire, c'est animer cette cellule vivante qui est une commune. Et mon job, c'est de faire en sorte que ce corps vivant qu'est la commune soit en bonne santé, reste en bonne santé. Ça veut dire qu'il faut qu'il se développe, que les gens du cru y soient bien, que les nouveaux habitants y soient bien, que chacun y trouve sa place et s'y épanouisse.